Le méthanol, qui est un carburant qu'on utilise pour les voitures de course, peut être synthétisé à partir de la réaction entre le monoxyde de carbone à l'état gazeux et le dihydrogène à l'état gazeux, pour donner donc le méthanol CH3OH à l'état liquide. On nous dit que initialement dans le milieu, on a une masse de monoxyde de carbone de 356,0 g et une masse de dihydrogène de 65,0 g. Dans le cas où la réaction est totale, on nous demande quelle est la masse de méthanol qu'on va pouvoir produire et quelle est la masse du réactif en excès qu'il va rester dans le milieu. On nous donne également les masses molaires des différents éléments impliqués dans la réaction, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Pour résoudre ce problème, on va commencer par réécrire l'équation bilan ici et dresser un tableau pour nous permettre de calculer dans les différentes lignes du tableau les masses molaires des réactifs et du produit, et puis les masses et quantités de matière qui vont intervenir au cours de la réaction. Donc dans ce tableau, on aura sur la première ligne les masses molaires en grammes par mol. Donc on va les calculer. Pour le monoxyde de carbone, on a donc 12,0 plus 16,0, c'est-à-dire 28,0 grammes par mol. Pour le dihydrogène, on est à 2,00 grammes par mol. Et pour le méthanol, on a un carbone, un oxygène et 4 hydrogènes. 32,0 grammes par mol. On va devoir déterminer rapidement quel est le réactif limitant et quel est le réactif en excès entre le monoxyde de carbone et le dihydrogène. Donc pour cela, on va calculer les quantités de matière initiales dans le milieu, en mol. Pour calculer ces quantités de matière, on va utiliser les masses des réactifs présents au départ et la relation entre masse molaire, masse et quantité de matière, qui est la suivante. La masse molaire, c'est égal à la masse divisé par la quantité de matière, puisque la masse molaire s'exprime en grammes par mol. Donc je peux en déduire le fait que la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire, et que la masse, c'est la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Donc la quantité de matière initiale de monoxyde de carbone, c'est donc égal à sa masse, 356,0, divisé par sa masse molaire, 28,0. Ce qui nous donne une quantité de matière initiale de 356 divisé par 28, 12,7 mol. Pour le dihydrogène, on a une quantité de matière initiale qui vaut donc 65,0, sa masse, divisé par sa masse molaire, 2,00, ce qui nous donne une quantité de matière 32,5 mol. À partir de ces quantités de matière ici pour mes deux réactifs, on va pouvoir déterminer lequel est le réactif en excès et lequel est le réactif limitant. Pour cela, on va regarder l'équation bilan de la réaction, et en particulier les coefficients stoichiométriques devant ces réactifs. Ici, ce qu'on voit, c'est que pour une mole de CO qui va réagir, vont réagir 2 moles de dihydrogène. Ce qui signifie qu'on a donc un rapport molaire entre CO et H2 qui vaut 1 sur 2, puisque pour une mole de CO qui va réagir, 2 moles de dihydrogène vont réagir. Dans le milieu initialement, on sait qu'on a 32,5 moles de dihydrogène. Et on se demande quelle est la quantité de matière notée X de monoxyde de carbone correspondante, c'est-à-dire, si on était dans la proportion stoichiométrique, combien de CO devrait-on avoir dans le milieu pour consommer les 32,5 moles de dihydrogène? Et le calcul nous donne X par produit en croix qui vaut 32,5 divisé par 2, c'est-à-dire 16,25, on va arrondir ici à un chiffre après la virgule, 16,3 mol. Or, dans le milieu, on a 12,7 mol, on n'a donc pas assez de monoxyde de carbone initialement dans le milieu pour consommer l'intégralité du dihydrogène qu'on a apporté. Donc, c'est le monoxyde de carbone qui est le réactif limitant. Maintenant qu'on sait quel est le réactif qui est limitant, on va pouvoir calculer les quantités de matière des réactifs qui vont être consommés au cours de la réaction et des produits qui vont être produits au cours de la réaction, puisque c'est la quantité de matière du réactif limitant qui va imposer la quantité maximale d'autres réactifs consommés et de produits produits. Donc dans cette troisième ligne ici, je vais mettre les quantités de matière des réactifs consommés ou des produits produits. Je vais mettre produits. Pour le monoxyde de carbone, on a vu que c'était donc le réactif limitant, c'est-à-dire qu'il va être consommé, si la réaction est totale, en intégralité au cours de la réaction. On va donc consommer 12,7 mol de réactif limitant. Évidemment, ici, on est en mol. Pour ce qui est du dihydrogène, pour calculer la quantité de matière consommée, eh bien, je vais travailler avec les rapports molaires. Donc, on a vu qu'on avait un rapport molaire CO sur H2 qui était de 1 sur 2.
On a une quantité de matière de CO de 12,7 mol qui est consommée et on se demande donc quelle est la quantité de matière de H2 qui va être consommée. On a donc X dans ce cas par produit en croix qui vaut 2 fois 12,7 divisé par 1, c'est-à-dire 25,4 mol. On a donc consommé au cours de la réaction, si la réaction est totale, 25,4 mol de dihydrogène. Et c'est logique si on réfléchit à ce qui se passe dans le milieu. Pour une mol de CO consommée, je consomme 2 mol de dihydrogène. Je consomme donc deux fois plus de H2 que de CO. En ce qui concerne la quantité de méthanol qu'on va obtenir à la fin dans le milieu, si la réaction est totale, eh bien on voit que pour une mol de CO consommée, on va produire une mol de méthanol. Donc on peut d'ores et déjà écrire qu'on a 12,7 mol de méthanol qui va être produite puisqu'on va consommer 12,7 mol de monoxyde de carbone. Et ça, c'est parce qu'on a un rapport molaire entre CO et méthanol qui vaut 1 sur 1. Maintenant qu'on a déterminé les quantités de matière des réactifs consommés et du produit formé, on va pouvoir passer aux masses. Donc on va, dans cette ligne ici, indiquer les masses des réactifs consommés ou des produits produits. On va exprimer ces masses en grammes. Pour ce qui est du monoxyde de carbone, on a consommé l'intégralité, c'est-à-dire les 356,0 grammes qu'on avait au départ dans le milieu. Pour ce qui est du dihydrogène, on a consommé 25,4 mol. Et pour retrouver la masse à partir de cette quantité de matière, on va utiliser la relation ici entre masse, quantité de matière et masse molaire, puisque du coup, la masse de H2 qui est consommée, c'est la quantité de matière de H2, 25,4, multipliée par sa masse molaire, qui est de 2,00. On a donc une masse de H2 consommée de 50,8 grammes. Et en ce qui concerne le méthanol, on a produit 12,7 mol de méthanol, et de la même manière, en utilisant la relation entre masse, quantité de matière et masse molaire, on va pouvoir déterminer la masse de méthanol produite. Là, je vais changer de couleur parce que c'était une des questions qu'on nous posait clairement dans l'énoncé. Donc la masse de méthanol CH3OH produite, c'est sa quantité de matière produite, 12,7, multipliée par sa masse molaire, 32,0. Donc 12,7 fois 32, ce qui me donne donc 406 grammes. Donc la masse de méthanol, au maximum, si la réaction est totale, est de 406 grammes, avec le monoxyde de carbone comme réactif limitant. La deuxième question qu'on nous posait dans l'énoncé, c'était la masse de H2 restante à la fin de la réaction. En tout cas, nous demandait la masse du réactif en excès. Il se trouve qu'ici, le réactif en excès, c'est le dihydrogène. On avait au départ 65 grammes de dihydrogène dans le milieu. On en a consommé 50,8. Donc la masse de dihydrogène restante, c'est égal à 65,0 moins 50,8, c'est-à-dire... Donc 65 moins 50,8, 14,2 grammes. Donc la masse de dihydrogène restante à la fin de la réaction lorsque tout le monoxyde de carbone a été consommé, c'est 14,2 grammes. Voilà donc comment on procède pour un exercice typique de stoichiométrie avec un réactif limitant. Il s'agit donc dans un premier temps de calculer les quantités de matière des réactifs présents dans le milieu, de déterminer en utilisant les rapports molaires quel est le réactif limitant et quel est le réactif en excès. Une fois qu'on a trouvé le réactif limitant, ça nous permet de savoir quelle est la quantité de matière de produit qu'on va pouvoir former au maximum si la réaction est totale et quelle est la quantité des autres réactifs qui vont être consommés au cours de la réaction. À partir de ces quantités de matière, on remonte très facilement aux masses en utilisant la relation entre masse, quantité de matière et masse molaire. Et pour pouvoir réaliser ce genre d'exercice de manière simple, fluide et sans se tromper, il n'y a qu'une seule solution, il faut s'entraîner et s'exercer.